Hey, salut les viewers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un jeu PS3, même si je vais jouer sur PS4. Donc tout simplement, ce n'est pas The Division parce que j'ai dit jeu PS3. Et c'est un jeu que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et comme je l'ai tellement aimé, je l'ai fait énormément de fois. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire du no commentary, tout simplement parce que je connais quasiment le jeu par cœur. Et donc j'aurai aucun étonnement devant les caméras, on va dire. Et donc le commentaire sert pas forcément à grand chose. Et en plus, il vous permet plus d'immersion avec le jeu. Donc voilà, sur ce, j'espère que ça ne vous dérangera pas que ce soit au moins le premier épisode en no commentary. J'espère que vous aimerez la vidéo. Et sur ce, on se retrouve juste après la vidéo pour pouvoir faire un petit récapitulatif de l'épisode. Voilà, donc sur ce, place au jeu! Je vais aller prendre une douche et m'habiller avant de descendre. Je suis partie faire des courses. Je passe prendre les enfants à l'école à midi et je rentre préparer l'anniversaire de Jason. Ne travaille pas trop. Je t'aime. Merci.
Ça m'a fait du bien de prendre une bonne douche. Je me sens presque réveillé. Je suis propre. Je peux aller m'habiller maintenant. J'ai un peu de temps avant que Grace et les enfants n'arrivent. Je vais en profiter pour travailler un peu.
J'ai bien avancé sur les plans. Ça devrait être terminé pour lundi. Content d'avoir terminé mon travail. Je vais pouvoir me détendre et profiter de la journée. Il fait un temps magnifique dehors. Je pourrais en profiter pour aller un peu traîner dans le jardin. Doucement, vous allez me faire tomber. Ah, alors, c'est le grand jour. C'est aujourd'hui que je vais être grand. 10 ans, c'est pas encore tout à fait grand, mais tu t'en rapproches. Je vais pouvoir conduire ta voiture. Je crois qu'il va te falloir encore un peu de patience. Ethan, tu peux m'aider, s'il te plaît? Tu peux pas rattraper. J'arrive. Ils sont tout excités depuis ce matin. J'arrivais plus à les calmer au supermarché. Et toi, ça va bien? T'as réussi à travailler un peu? J'ai pas mal avancé sur les plans. Encore quelques détails à régler et on devrait être prêt à présenter le projet immobilier au client. Oh, j'ai un milliard de choses à préparer. Ça sera jamais prêt avant que les copains de Jason arrivent. Tu peux me donner un coup de main? Il doit y avoir des assiettes dans le buffet du salon. Pas de problème, je m'en occupe. La porte se coince souvent. Ouvre d'un coup sec. C'est le service que nous a offert ma mère. Fais-y attention, d'accord? T'inquiète pas, je voudrais pas être responsable d'un incident diplomatique avec ta mère. Je pourrais mettre un peu de musique. J'irais bien jouer dehors avec les enfants. Ethan. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit aujourd'hui, Madame Mars. Et je vous trouve très séduisante. Vous n'êtes pas mal non plus, Monsieur Mars.
sais à quoi tu penses, Ethan. Mais c'est vraiment pas le moment. Dommage. Il faut vraiment que je m'occupe de la fête. On reprendra cette petite discussion ce soir. Jason a l'air content. Ouais. J'ai du mal à croire qu'il ait déjà 10 ans. J'ai l'impression que c'était hier qu'on flirtait tous les deux au lycée. Ça y est, on devient vieux, Ethan. Tu as réussi à trouver le cadeau pour Jason? Ouais. Je suis passée le prendre au magasin tôt ce matin. On a eu de la chance, c'était le dernier modèle en rayon. Les invités de Jason arrivent quand? Vers 2 heures. J'espère arriver à garder la situation sous contrôle. Pas comme l'année dernière. Je peux faire quelque chose pour t'aider? Non, merci. Je devrais m'en sortir. Chaque jour qui passe, je la trouve plus jolie. Ça y est, je suis libre comme l'air. Bon, 5 minutes les garçons, ok? Après, il faut qu'on déjeune, les invités de Jason vont arriver. Ok, promis maman. Qui veut commencer? Moi d'abord! Non, moi d'abord! Moi d'abord. Du calme, on va faire chacun son tour. Allez, viens Jason, on va faire l'hélicoptère. C'est parti! Allez papa, montre-nous comment tu fais. Montre-nous tes gros muscles! Attention, accrochez-vous! Cette fois, t'es foutu! Tu vas payer pour tous tes crimes, capitaine papa! Cette fois, je crois que tu peux faire des prières. Allez, Jason! Oui! Laisse tomber! Je vais t'embrocher! Attention! Vas-y, attaque! Je vais le regretter. Allez, Jason. Ouais. Oui. C'est prêt, les enfants. On arrive. Sean, le déjeuner est prêt. Je vais le chercher. Pourquoi est-ce que Sean n'est pas à table? Il ne doit pas être très loin. Sean? Qu'est-ce qui se passe? C'est Merlin. Il est mort. Il est mort.
mort et c'est de ma faute. Mais non, Sean, tu n'y es vraiment pour rien. J'aurais donné n'importe quoi pour qu'il vive encore un peu. Tu sais, Sean, certaines choses doivent arriver. Même si on ne veut pas. C'est pas juste, papa. C'est pas juste. Je sais. Je parie que Jason est allé voir le clown. Jason! Il doit pas être loin, il était là il y a une seconde. Je parie que Jason est allé voir le clown. Jason! Jason, tu ne devrais pas t'éloigner, tu sais. Il y a beaucoup de monde ici. Et papa, je pourrais en avoir un. J'en voudrais tellement un. S'il te plaît, papa, allez. D'accord, on va acheter un ballon. Super. Hé, hey, mon grand, comment tu t'appelles? Jason. Quel ballon te ferait plaisir, Jason? Le rouge. Le voilà. Ça fait $2, monsieur. Jason, attends-moi. Attends papa à lapin. Il y a vraiment beaucoup de monde. Tenez, gardez tout. C'est impossible d'essayer une paire de chaussures avec tout ce monde. Oui, Jason? Il était là il y a une seconde. Je lui ai acheté un ballon. Le temps que je me retourne, il avait disparu. Disparu? Comment ça, disparu? Ne bouge pas d'ici. Je vais le chercher et je reviens. Jason! Un ballon rouge. La dernière fois que je l'ai vu, il tenait un ballon rouge. Du calme. Il n'a pas pu aller bien loin, je vais le retrouver. Vite, il faut que je descende maintenant, sinon je vais le perdre dans la foule. Tu as fait une deuxième.
Jésus, mais qu'est-ce qui m'a pris? Jason. Où est Jason? Et voilà les gens, c'est sur cet envol de ballon que se termine tristement notre premier épisode. Et oui, tristement, Jason est parti. Et voilà, c'est ainsi que commence notre aventure dans Heavy Rain. Et c'est ainsi que s'achève notre premier épisode. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, laisser vos commentaires, partager autour de vous, pardon. Et voilà, j'espère que ce no commentary ne vous aura pas trop déplu, ce format-là. Et si je vois que ça vous plaît pas, bah à ce moment-là, je mettrai des commentaires. Bref, sur ce, portez-vous bien, et à bientôt pour un prochain Heavy Rain. Salut tout le monde!